보기 좀 싫어. 안 해도 되나? 너무. Ordinaire, des gens ordinaires. Comme nous le sommes tous. Nous sommes miséreux, nous sommes malheureux, idiots, déprimés. Le cœur coincé, l'âme empêtrée, on ne sait pas aimer, on n'y arrive pas à être. Comme les punaises ou les papillons ou les phalènes de nos enfances mortes. On ne sait pas savoir, on ne sait même pas danser. On tourne indéfiniment en rond dans les salles des fêtes tristes, des affreux dansants, des dimanches mélancoliques. On circule, on déambule, on trébuche. Sans savoir quoi faire de nos mains qui touchaient, sans savoir quoi faire de nos yeux qui regardaient. De nos sexes, qui aimer et comment surtout. On se bouscule, on se presse, on se colle sans se connaître. Moi devant toi, devant nous tous, devant. On voudrait bien, mais ce qu'on voudrait, on ne le sait plus très bien. On écoute la musique. La gorge nouée, les jambes en cotonnade et le cœur en chamade. On va tomber amoureux, c'est presque sûr, pendant qu'il en est encore temps. Un autre amour, s'il vous plaît, un autre amour. Juste un autre dernier, tout petit et tout beau.
Pourquoi ce serait toujours un poids d'aimer, de se sentir une montagne dans le cœur? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors qu'il suffirait de s'élever dans l'azur clair d'un regard, ou le souvenir bleu qu'un jour ces yeux-là vous ont vu et regardé vraiment, et cela vous a tout de même rempli de lumière. Alors, votre cœur s'est envolé par-dessus le monde, il s'endort sur son nuage et il pleure avec la première pluie. Combien de temps ça dure, l'amour? Combien de temps ça dure, l'amour? Combien de temps ça dure? L'anticipation des rebonds boursiers, ce qu'il y a à la télé ce soir, le prix du livre que je veux devenir chef d'entretien de mon corps, tout savoir sur la division, le père préféré du président de la République, m'en fous. L'histoire dans un roman, le week-end de méditation, sortir de l'ombre, le nouveau classement national des capitaines d'industrie, les conversations à la buée de l'Assemblée nationale, la périodicité de Madame Figaro, m'en fous. M'en fous. Thank you.
porter les yeux au-delà de l'infamie pour deviner un autre monde. Un autre monde possible. Un autre monde où. Des peurs humaines et des passions humaines. Dans les rues, les automobiles seront écrasées par les chiens. Le téléviseur cessera d'être le membre le plus important de la famille et sera traité comme le fer à repasser ou la machine à laver. Les gens travailleront pour vivre au lieu de vivre pour travailler. Plus les jeunes qui refusent de faire leur service militaire, mais ceux qui veulent le faire. Les économistes n'appelleront plus niveau de vie le niveau de consommation et n'appelleront plus qualité de vie la quantité de choses. Les chefs de cuisine ne croiront pas que les langoustes adorent être bouillis vivants. La mort et l'argent perdront leur pouvoir magique et le décès ou la fortune ne fera pas, ne feront pas, ne fera pas, ne feront pas d'une canaille un homme vertueux. Le monde ne sera plus en guerre contre les pauvres mais contre la pauvreté et l'industrie de l'armement n'aura plus d'autre solution que de se déclarer en faillite. Il n'y aura de faim car il n'y aura d'indigestion. Les enfants de la rue ne seront pas traités comme si c'était de l'ordure car il n'y aura plus d'enfants de la rue. Les enfants riches ne seront plus traités comme si c'était de l'argent car il n'y aura pas d'enfants riches. La police ne sera pas la malédiction de ceux qui ne peuvent l'acheter. La justice et la liberté, sœurs siamoises condamnées à vivre séparées, seront à nouveau réunies, épaule contre épaule. Une femme noire sera présidente du Brésil. Et une autre femme, noire, présidente des États-Unis. Une indienne gouvernera le Guatemala et une autre le Pérou. Notre sainte mère l'Église corrigera les erreurs des tables de Moïse. Et le sixième commandement ordonnera de fêter le corps. De fêter le corps, l'Église dictera aussi un autre commandement que Dieu avait oublié. Dieu aimera la nature dont tu fais partie. Les déserts du monde et les déserts de l'âme seront reboisés. Les désespérés seront espérés et les égarés seront retrouvés. Nous serons les compatriotes et les contemporains de tous ceux qui voudront la justice et qui voudront la beauté. La perfection restera l'ennuyeux privilège des dieux, mais dans ce monde fou et foutu, chaque nuit sera vécue comme... La perfection restera l'ennuyeux privilège des dieux, mais dans ce monde fou et foutu, chaque nuit sera vécue comme si elle était la Dans ce monde fou et foutu, chaque nuit sera vécue comme si elle était la dernière et chaque jour comme s'il était le premier.